Bonjour. Bonjour. Salut, ça. Mouah. Eh ben, elle a fait plein de cauchemars cette nuit. Ah ouais? J'ai trop mal aux pieds. Moi aussi. Oh. Petite revue de l'outfit pour le lac de Côme. Sympa. Sympa comme tout, n'est-ce pas? Direction le train. Le train est blindé, je vous montre pas parce que si ça vous regarde, t'as l'impression qu'on a tué toutes les darons. Arrivé à Como. Non. Non, ça veut dire au revoir. Encore mieux. Et voilà, il y a beaucoup trop de monde, je suis désolée, on est à Santorin ou au lac de Côme là. Est-ce qu'on pourra se baigner? On sait pas, on a vu des TikTok où les filles se baignaient. Mais c'est très touristique pour l'instant. Je crois qu'on a pris la pire horaire. Et le truc de Côme, enfin c'est lac de Côme, c'est le nom du lac. Mais sinon je sais pas vraiment où est-ce qu'on est. Mais en gros ça fait plein de... village. Genre on pourrait croire que le lac de Côme c'est un lac et autour t'as les petites côtes et tout. Mais en fait non. Genre t'as plein de villages autour et il faudra se déplacer en bus. Donc à voir ce qu'on fait quoi. Si on fait à pied ou quoi. Bah autant pour moi. On a bien l'air d'être à Côme en fait, c'est pas que le nom du lac. Là niveau soleil, je te raconte pas. On est en train de brûler quoi. On est en train de brûler. Non mais oh là, oh là là, on se calme. Dans le train, il y a une nana, elle me décale son sac pour que je puisse m'asseoir par terre. Je dis oh Mimi, thank you. Elle dit de rien. Voilà voilà, c'était une française. Alors je sais pas si on va voir mais tout là haut là haut là haut, il y a une baraque, une putain de baraque. Petit 1, faut pas avoir le vertige. Petit 2, tu dois avoir une vue de fou furieux. Everybody love me, call a nigga Raymond. These weak niggas always in your face like Ray-Bans. Yes, I bring the heat, girl. Fire for fireman, baby, I'm your hero. Donald for Spider-Man. I'm in love with you, but this is not tennis. And baby, stay stat, like she bad at Tetris. Rude boy, I'm a lot of China. Tell your boy, I'm a Non mais la banque, s'il vous plaît. La banque. Bon, petit moment sympa. C'est un insolation time. Il y a un mec qui essaie de nous vendre ses chapeaux. Moi je fais la concu avec mes feuilles. Donc là on fait quoi? On va faire du funiculaire. C'est la pente à 70 degrés. Je sais pas trop à combien aller, mais 70 ça me paraît pas mal. 70 c'est bien, parce que oui, c'est ça en fait. Ouais, hein, globalement. Ouais, globalement, je pense que c'est ça, ouais. Bon, la petite bouille qui crevait de chaud là. Elle a enlevé son filet de pêche. On sait pas si elle est en débardeur ou en robe. Mais en même temps, j'allais bronzer avec des trous dans la peau. Activité pas fun. Iconique. Les rats. C'est magnifique. Donc ça c'est la maison que je vous ai montrée tout à l'heure. On était en bas. Donc on est arrivé de la gare qui est par là il me semble. On fait ça, on est arrivé par là et du coup on a fait ça, on a mangé là. On a fait ça et là on est monté au funiculaire, on a fait une heure de queue. Regardez-moi ces baraques. Regardez-moi ce baraque. Iconique.
coca bien pris chacun. C'est le monsieur qui danse. Oh là, je crois qu'il raconte des dingueries. On a fini là. Donc là-bas, un petit peu plus loin, tout le monde se baigne, mais genre c'est une mini plage et il y a 500 personnes. Ici, on n'a pas le droit de se baigner, il y a un panneau qui dit interdit. Il est pépouille. Elle est bonne ? Elle est gelée. C'est vrai ? Et là, je vais vous montrer la plage pour vous montrer à quel point c'est plein d'axes pour le petit mètre carré qu'il nous offre. Genre, tout le monde est là. Tout petit bout de plage avec extrêmement de monde. On va faire la cathédrale, mais à tout moment, on se retrouve avec un poncho à 8 euros. Voilà la beauté. Hein. C'est prêt pour 11 minutes de marche. Bah voilà, vos gadgets sont prêtes. Aujourd'hui, sans talons, alors que ça aurait été magnifique. Mais écoutez, faut pas souffrir pour être belle. On est déjà très belle. On va manger. Oh. Bon, petit échec en perspective. Le deal, c'était de se faire un petit Five Guys parce qu'on l'a jamais fait. On vient de voir que c'est un fast-food qui ne fait pas de menu. Tu dois tout prendre individuellement, sachant que ton burger il coûte entre 11 et 15 euros. Tes frites, c'est 5 euros les plus petites. Ta boisson, c'est 5 euros, 6 euros. Donc, comment ça, 20 euros là. On voulait trop prendre ça, se poser dans un parc et tout. Ouais. Mais le destin, apparemment, il est pas. Je vais lui casser les couilles à tout filmer à la serveuse. Mais en gros, la meuf, elle nous amène ça. Et va qui s'empresse de demander si c'est gratuit ou payant. Bon, mon petit risotto, on dirait qu'il a été récupéré dans les égouts. Sa petite bouffe là, là. Figurez-vous que j'ai été très mauvaise langue. Et que mon petit risotto vient tout droit du paradis. Mmh. Il a la voix si quoi. Oh là là. Allez, en tout cas. On a fait une petite cérémonie photo. C'est pas trop une cérémonie. Écoutez, hein. Ça filme, d'accord. Allez, on y va. Là, chez mon père, lui dit-on. Chez ma mère, Dior. Chez mon frère. Non, ça va. Il y a beaucoup d'enfants, ça m'énerve. Il gâche le plan, c'est cool. C'est sympa comme tout. Backstage des photos. On va où, Mazine? Là, je continue de vlogger, on est en mode à l'aise. On a rien vu. Des glaces? Oui! Des glaces, quoi, l'aise? Là, on fait quoi? On est une youtubeuse. Oui, oui, mais c'est pas une mousse. Je suis Léna Situation. Mais il y a beaucoup de gens. Donc vous sortez des galeries Emmanuel et vous tombez sur la Piazza del Duomo, aka El Duomo. Cette place est splendide. Elle aurait été encore plus s'il y avait eu cette putain de statue. On a un bloc Minecraft à la place. C'est magnifique. Mais Eva, je meurs, tous les meilleurs moments sont pas dans le vlog. Oh là là, et c'est pas drôle quand on raconte. Attends, bah j'ai envie de laisser ma caméra par terre, mais bon. Je suis pas sûre du projet là. Ah mais c'est aux couleurs du Litani. Ils sont fous ces stèles. Ils sont à peine mégalos, merde. On dirait nous au final. À la base on voulait des gelatos, non? C'est glace en italien. Glace en italien, ok, bah ouais, des gelatos, ouais. Can you take me a photo? Yeah, a
Vas-y ma poule. Et bah s'il te plaît fais un bon cadre. Ça c'est une vraie pose. Ok. Il te renvoie au budget. I was in Paris in September and I had a waiter who like he came to me and he didn't even say hi, like what's your order, he didn't even speak English, he was so rude, and then he, when he gave me the food he didn't even say anything, like so unpolite, like the most unpolite waiter ever. But here we have the same problem. Yes. The waiter's here? No, the waiter is good. But some people are mean. I don't know, people don't smile or... The Italians? Parlate italiano, buonasera, scusate. No, 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 no. She said if you have a... Ah, ça a bégayé par là. T'es en compréhension orale, toi. Oh no, sorry. Sorry. Thank you so much. Okay, so I hope you like the photo. Yes. I also, like, took so many, so yeah. I suppose. Yeah. 100 maybe. Maybe more. Okay, thank you. Have a good Have night. Have a good day. Bye. Mais je crois qu'il était complètement chraqué. Friend. J'ai entendu Where are you from? T'as fait un oral, t'as fait ton grand oral en anglais. T'as fait des romans, je crois que j'ai n'importe quoi. T'as trop bien parlé. Ah bah c'est adorable hein. Parce que putain il avait pas l'air. C'est vrai. Et moi j'étais. Mon œil il a prêté comme le lampadaire. C'est cool, on le voit pas dans la vidéo. J'espère que tu vas adorer les photos. Oui, mais il regarde pas. Merde. La nana qui a demandé des serviettes hygiéniques. Oh la pauvre bébé. Et là, ouais, t'inquiète bien. C'est ouf, moi aussi. Mais il a pas traduit ça. Hein. Donc il a des mots, le monsieur, mais il a pas tout. Bref, gelato, 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 gelatini, gelani, gelani. Et toi, t'as fait une autre écoute. The way you look that much, so maybe you should go and love yourself. Woo, woo. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hate me, women.ego, je répète. C'est quoi prendre? Penguin and yogurt. Une glace au pain de blanche et un. Grazie! Non, vos bolos de pâte, pistache. Oh là là! C'est quoi cette merde? C'est long! Ouah, ça fait des beaux yeux hein! Bah, sympa ça. Ça fait 15 minutes, on attend le 12 et c'est le 16 qui est arrivé avant. Bon. Bah on dirait que je suis défoncée à l'aspirine mais bon. C'est à peu près 20 minutes qu'on attend. On va arriver à pour l'aéroport. Nickel. Pépite. Pépite. Oh là, oh là. Mais faut laisser passer en fait. Il est aigri hein. Elles sont là. Alors, je vais vous présenter chez moi. Je suis dans un appart parisien à 70 mètres carrés pour le juste prix de 500 euros par mois. Merci. Ok, là c'est bon. Attends, parce qu'on rappelle qu'on peut tout courir. Et là, faut courir, frère. Bien, attention. Ça reste de bon, ça le tient en vrai. Merci. Merci. Ça m'a arraché la godasse. Je suis de bienvenue chez Marianne. N'a
à demain. D'autres vous disent à demain. Eva et Bowie, bah, je vous dis à demain. C'est mon moment de dormir là.